سوف تتمكنون أيها التلاميذ الأعزاء من إنجاز جميع الأسئلة المتعلقة بامتحان الجوابي الموحد إن شاء الله في سبتمبر القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء، معكم يوسف دلال من قناتكم قناة جوكمنيك تي في للفهم والاستيعاب لمادة الفرنسية وتحضير امتحان الجهوي المقبل. إليكم هذا الفيديو يلخص قراءة للنص الخاص بالامتحان الجهوي الموحد، تابعونا. Le jeudi suivant, Rahma, pour remercier Dieu de lui avoir rendu sa fille, a organisé un repas pour les pauvres. Toutes les femmes de la maison lui prêtèrent leur concours. Lella Kenza, la chouafa aidée de Fatoma, la plus dévouée et la plus fidèle de ses disciples, lavèrent le rez-de-chaussée à grande eau et tendirent par terre des nattes et des tapis usés. Fatma Bzouya, Rahma et ma mère s'agitaient autour des marmites et des cocossis. Ils cuisinaient en plein air sur la terrasse sur des feux de bois. L'une d'elles les ravitaillait en eau, une autre épluchait les légumes et la troisième, armée d'une louche en bois gigantesque, tournait les sauces qui bouillonnaient dans leur récipient de cuivre. Zinib et moi, abandonnant notre fantaisie, nous courions d'une chambre à l'autre, montions en soufflant les escaliers, recevions du nuage de fumée dans les yeux. Accompagnés de réprimandes, redescendions nous réfugier sur le palier, ne sachant que faire de notre liberté. Nous attendions avec impatience l'heure du déjeuner et l'arrivée des mondiaux. Bientôt, nous entendîmes dans le couloir d'entrée un brouhaha scandé de coups de canne et d'éclats de voix. Driss entra le premier dans le patio. Tout le monde s'assit sur les nattes et sur les tapis usés avant que le repas ne leur fût servi. Ils entonnèrent un psaume où il était question des félicités qui attendent les croyants cœurs généreux. Ceux-là nourrissent les affamés, honorent l'hôte de Dieu. Hommes, femmes et enfants joignirent les mains, les paumes ouvertes vers le ciel. Ils récitèrent la première sourate du Coran. Je la connaissais bien, cette sourate, et je la récitais avec ferveur. Louange à Dieu, maître du monde. إذن كانت هنا كانت هذه هي القراءة ديال هذا النص هذا ديال لاباتا ميرفي د أحمد صفريوي اللي كتبها في 1952 وصدرات 1954 في عهد الاستعمار الفرنسي. إذن في فيديو قادم سوف نتطرق إلى فهم الأسئلة المتعلقة بهذا الامتحان الجهوي. إلى اللقاء، كان معكم يوسف دلال من خلال قناتكم جوكمنيك تي في للفهم الاستيعاب ولتحضير الامتحان الجهوي المقبل.